Bonjour les amis. Maintenant, allons voir ce que nous réserve le chant 51, après avoir terminé les 50 premiers. Ah, puis juste pour que ça apporte la confusion. OK. Bon, OK, quand on utilise Pentabar, OK, il augmente les combos, il augmente les dégâts des combos de type combat. OK, puis quand on utilise la méga évolution de Lucario, qui veut dire méga Lucario, sans lui, OK, généralement, genre, pour aligner 3... Lucario en rangée. Vous obtenez un 680 points. Et vous enlevez 680 HP à l'ennemi. Mais avec Pentabar, ça augmente à 720. Puis quand vous alignez 4 Pokémon, 4 méga Lucario, sans utiliser Pentabar, c'est 920. Ensuite, ben, c'est environ 1420 pour 5 méga Lucario qu'on aligne en rangée. Vu que lui, il supprime toutes les cases en haut et en bas, formant un Link. Et quand on utilise Pentabar, et bien pour aligner, quand on aligne 4 méga Lucario, c'est 990. Et quand on en aligne 5, c'est environ 1540. Et si jamais dans un même Link, OK, il y aurait un autre alignement d'un autre Pokémon. Et que vous décidez de poser l'action sur ce Pokémon-là avant Mega Lucario. Ben, le combo va compter, mais il va avoir le pointage pour un alignement de 3 Mega Lucario. Ben, va diminuer un petit peu. Moins de 100 environ. Moins de 100. Mais ça va être compensé par le premier combo. Vous aurez aligné comme dans le cas que vous avez vu dans les sons 50, c'était avec Diagla. Au lieu de 990 pour un alignement de 4 Lucario, c'est à 909. Mais il y a le 304 environ pour Diagla qui compense la perte de 81 HP. Donc, vous faites presque une augmentation de 300 points. Allons voir ici. Ah, maintenant, c'est des cases gelées. Pour les 151. Tabalam! Je ne sais pas avec ça. Faut être très patient. Pas besoin d'y aller à la vite. Allons-y tranquillement. Oh! Le Mega Lucario est activé. 9 combos. Je peux directement remédier à ça, hein? Oh! Checkez bien ça. Regarde, un alignement de 2 Gardrun ici. Un alignement de 2 Calucario ici. Que va-t-il se passer?
si j'utilise comme première action Godwin. De 666, 200. Ça me donne 866. Vous avez vu, ça m'a enlevé un peu de HP à l'action de Mega Lucario, mais c'est compensé par le premier combo qui était l'alignement de 3 Godwin. Donc, vous cumulez plus de points ainsi. Bon, ok. Ok, moi j'ai pas de problème avec ça. Et voilà, c'est terminé. Voici comment c'était l'échelon 51. Maintenant, Daily Bird, Kai Doizo, lance comme entrave des barrières de glace. Là, c'était 3. Qui a été pitché au hasard dans le tableau. Mais ouais. Et on se rejoindra pour la suite plus tard.